les amis, si j'arrive même à faire ma vidéo, ça sera une bonne chose. Il y a un dessin. Descends. Descends. Bon, pour perdre mes 25 kg de grossesse, je me suis lancé un challenge. Mais malheureusement, la période de mon challenge se déroule quand j'ai des vacances. Donc, c'est un peu difficile, c'est compliqué. Ah, Iliane, reste là. Tu attends, quand je vais manger, je vais donner pour toi. Comme ça, là, tu n'auras rien. Donc, nous sommes au jour 68 du challenge. Je me suis lancé un challenge de 92 jours où je revois mon alimentation avec des recettes simples et faciles. Mais là, je suis en vacances, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaye de me démerder comme je peux. Donc, ce matin, c'est petit déjeuner, yaourt nature avec quelques grains. Et comme fruit, j'ai pris une pastèque. Si Iliane me laisse manger, regardez. C'est le boss. Le boss, c'est quoi? C'est quoi? C'est très beau. Vois l'enfant grandir. Il change chaque jour. Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Bon, les amis, on mange, on passe à table. Salade, concombre, tomate. C'est quoi que les amis? La salade est où là? C'est pas ça. C'est une salade, non. Ça, c'est pas une salade. Avec des basiliques, du romarin, origan et tout ça. Ça sent la motivation, je te jure. On y croit. Et je ne t'oblige pas à le faire. Hein. Personne ne t'oblige. Et du poulet. Poulet grillé qu'on a fait hier au charbon. Le parfum de ça, ça tue. Ça tue. Mais il n'y a pas de chair. C'est ça qui est triste. Bon appétit. On ne sait pas encore ce qu'on va manger ce soir. Après le déjeuner, nous sommes allés à l'école de Léal. C'était la fin d'année. Dans son école, donc ils nous ont fait visiter tout ce qu'ils ont pu faire durant l'année scolaire. Ils ont créé une merveille où ils élèvent des grenouilles et tout. C'était pas mal, on a bien profité. Je vous jure que c'est horrible. Regardez la pente qu'on est en train de faire. On est descendu, on est en train de rentrer. Avec la poussette, on pousse Iliane. Et tout, nous étions à l'école. Maman! Oui? Vas-y, papy, tombe! Purée, nous étions à l'école de Iliane. C'était la fête de fin d'année. Et du coup, il n'y avait pas assez de place dans la voiture pour porter tout le monde. On a décidé de partir à pied. Et voilà ce qu'on vit là au retour. Regardez. À notre retour, papa brisait le poulet. C'est l'été, il fait beau, on en profite, hein, on fait des grillades. Donc ce soir, pour le dîner, j'ai mangé mon reste de tomates concombre de ce midi avec du poulet. Il y avait des frites de plantain pour la maison, donc j'en ai pas goûté du tout. J'avais pas très faim, c'est pour ça qu'il y avait presque rien dans mon plat. Mais bon, bon appétit. Bon, je clôture la journée sur cette image. Le jour 68 de mon challenge, fête de poids post-maternité s'achève. Je vais être honnête avec vous, sans vous mentir, c'est pas chose facile. Il y a tellement de tentations. Et vous savez que quand on n'est pas bien,
dans la tête, ça entraîne le corps et tout. Donc en ce moment, c'est un peu difficile. Et j'essaie de faire les efforts. Je sens que je suis en train de reprendre mon poids que j'ai perdu. Au niveau de mon ventre, il y a du volume. Je ne me suis pas pesée en quittant de la maison, mais la dernière fois que je me suis pesée, j'étais à 89, 99, je crois que c'est ça. Ouais, je sens que quand je vais me reposer, j'aurai pris même 3 ou 4 kilos. Hein. Au niveau des vêtements, je commence à sentir que ça serre et tout. Mais bon, demain, c'est samedi. Je pense que je vais me reprendre en main. Donc, on va recommencer avec la salade. La salade et le café noir. Et puis, on verra. Hein. Dans quelques jours aussi, le challenge va se terminer. Je suis consciente qu'il y a eu beaucoup de changements, on va dire en 2 mois. Là, c'est mon 2e mois du challenge. J'ai déjà fait 2 mois dans ce challenge, donc il y a eu beaucoup de changements. Je sais que j'ai promis que je vous dirai à la fin du challenge, mais j'ai perdu plus de 10 kilos, plus de 10 kilos. Donc, au 92e jour, je vous dirai exactement combien de kilos j'ai perdu. Le mal-être est en train de revenir aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Je me sens mal dans ma peau, quoi. Et je ne sais pas ce que je dois faire exactement. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai arrêté le sport aussi. Je pense que je vais m'y remettre parce que ça m'aidait aussi beaucoup. Donc c'est un peu ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ma journée avec toi. C'est pas toujours chose facile, désolé. Hein. Il y a tout le temps les bruits, les enfants, c'est la maison, l'ambiance de la maison. Donc c'est un peu ça. On reste connectés, n'est-ce pas? On est ensemble. Portez-vous bien et on se dit à demain pour un nouveau jour, un nouveau défi. On va combattre les kilos de la maternité. D'accord. Bye bye.